Et donc, mon inspecteur, Abraham, travaille pour un commissariat de police à Holon, qui est en banlieue au sud de Tel Aviv. Donc, un peu dans la périphérie de Tel Aviv. Et il s'occupe normalement de la violence qui est la violence domestique, des histoires très petites, tragiques. Et dans ces romans-là, au début du roman, il se demande pourquoi et à quoi ça sert de continuer de faire ces enquêtes tellement tristes et tragiques sur des histoires, trouver un père qui a tué son fils ou un homme qui a tué sa femme. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose qui soit plus importante? Plus glorieux, peut-être, plus honoré par la société. Et donc, il rêve d'avoir une enquête qui peut-être aura quelque chose avec le Mossad. Et magiquement, ça se passe comme ça. C'est l'histoire. Je crois que ce qui se passait dans ces romans-là était très important pour lui et pour moi aussi. Parce que je dirais que c'est le roman le plus politique que j'ai écrit. C'est l'enquête où Abraham commence à découvrir la relation entre la violence personnelle, la violence des individus en Israël et la politique, quoi, la violence de l'État. Je crois que c'est dans ces chemins-là qu'il va continuer. Quand je commence un livre, j'essaie toujours la fin. Je crois que c'est tellement important, même indispensable, de savoir la fin quand on commence, parce que c'est comme cela qu'on peut avoir la structure. Et le rythme de roman quand on sait où on va. Parfois, il y a des changements. Alors, on commence par... on pense qu'on va ici et après, on est là. Mais je dois savoir la fin, toujours. J'ai redécouvert le roman policier en France. Et c'est pour cela qu'il y a que pour moi c'est très spécial de être ici, de présenter mon roman français. Parce que quand j'étais petit, j'ai commencé à lire le roman policier, mais il n'y avait pas beaucoup en hébreu. Donc quand je suis venu en France, quand j'avais 23, 24 ans pour apprendre le français, j'ai en fait appris le français à travers le roman policier que j'ai lu. D'abord, le roman de Georges Simenon, que j'aime bien jusqu'à aujourd'hui. Et après, le roman des auteurs américains en traduction française. Après, j'ai découvert beaucoup d'auteurs français que j'aimais beaucoup. J'aime bien Jean-Patrick Manchette, j'aime bien Pierre Signac. Et maintenant, je lis beaucoup de Fred Vargas, que j'aime bien. À cette structure, ou cette forme, ou ce genre de roman policier, je crois que c'est cette recherche de la vérité que je suis très très attaché. Cette recherche qui est toujours frustrée, ou presque toujours, mais on recommence parce que la vérité est trop importante pour la lâcher.